janvier 2007. Un cadavre de sexe féminin est découvert dans les Yvelines, en forêt de Rambouillet. Entièrement dénudé, décapité, les mains arrachées et une plaie béante au niveau du thorax qui laisse entrevoir à l'œil nu que le cœur est absent. La difficulté d'une scène de crime en forêt, comme toute scène de crime en extérieur, repose sur le fait qu'on va être soumis aux intempéries, aux problèmes de faune, aux problèmes de flore. On a les risques donc d'intempéries, de pluie, de vent qui risquent de déplacer des éléments. Maintenant, on peut retrouver quand même un certain nombre d'indices. Si c'est un sol qui n'est pas poreux, on peut encore retrouver, quelques mois après, des résidus brunâtres, signe en fait d'un épanchement sanguin. Peut-être va-t-on obtenir de l'ADN. L'ADN a quand même trois ennemis qui sont l'humidité, l'air et la chaleur. Donc, en milieu extérieur, ces trois éléments, on a de grandes chances de les retrouver. Donc l'ADN va être très fragilisé pour une scène de crime en forêt. Les gendarmes de la section de recherche de Versailles commencent leur travail de fourmi. De multiples constatations et prélèvements sont effectués sur la scène du crime, puis sur le cadavre lui-même. De la terre, différents indices et vêtements disséminés autour du corps, des larves et insectes nécrophages en vue de dater le délai post-mortem. À première vue, le légiste estime que le décès remonte à plusieurs semaines. Ce jour-là, donc, c'était le 12 janvier 2007, hein. Donc, peu avant midi, une personne qui passait à proximité s'est avancée légèrement dans le bois, et puis elle a trouvé ce corps qui était à peu près une quinzaine, vingtaine de mètres du bord de la route, hein, tout simplement, légèrement caché le long d'un tronc d'arbre avec des fougères cassées qui recouvraient le corps. Michel Bonafont, technicien opérationnel à l'Office national des forêts, connaît bien les lieux du crime. Donc les caractéristiques du site, hein, sont, je vous dis, des zones de fougères. Bon, là, l'hiver, il n'y en avait pas. Une mare, alors, près de la route, avec quand même une grosse densité de taillis de saules, hein, de saules qui poussent dans la mare. Hein, donc ça faisait quand même un écran. Mais ici, c'est des zones où on ne fait rien. Hein. C'était vraiment l'endroit idéal, je dirais, pour cacher quelque chose. Hein. Vous aviez une place de stationnement. Le corps n'était pas à vue parce qu'il l'a glissé le long de la mare. Hein. Donc il n'était pas au vu des gens. Que si le corps était à côté de bois mort et tout, il a pu être ne pas être vu. Le témoin découvre le corps, hein, donc il a fait appel à la gendarmerie, hein, donc tout simplement en composant 17, hein, donc il est raccordé au ce qu'on appelle le centre opérationnel de gendarmerie, qui tout de suite a envoyé une première unité sur place qui a procédé au gel des lieux, hein, en attendant notre arrivée et l'arrivée également des techniciens d'investigation criminelle qui ont pris en charge les constatations sur la scène de crime, donc sur le corps. Il y avait des véhicules de gendarmerie un petit peu partout garés le long de la route. Il y avait des gendarmes qui faisaient la circulation, des pompiers, tous les gyrophares étaient en action. Et puis, il y avait les hommes de la brigade de recherche de gendarmerie d'Rambouillet et de la section de recherche de Versailles qui étaient présents. On m'a pas laissé approcher plus que ça. On avait juste le droit de passer en voiture et encore, c'était limite. Le corps est dégradé, il est en état de putréfaction. Rapidement, on s'aperçoit que malheureusement la tête est absente, donc les mains aussi, donc il manque les mains. Les sangliers peuvent manger de la viande, des carcasses, des trucs qu'ils trouvent. Hein. C'était le coin idéal pour quelqu'un sûrement qui est assez pressé, quelqu'un qui aurait voulu cacher tout ça. À mon idée, il l'aurait pas mis là. Il y a d'autres coins dans la région où. Où on aurait pu mettre le corps. Vous avez des endroits encore plus marécageux où là, le corps n'aurait pas été retrouvé tout de suite. Et il aurait sûrement été dévoré par les sangliers
en totalité. Donc on fait, nous, ce qu'on appelle un ratissage, c'est-à-dire qu'on fait ça sous la forme de l'escargot, c'est-à-dire en partant du corps et jusqu'au plus loin, et on retrouve des objets, enfin des objets, ce sont des vêtements, et dans ces vêtements, il y avait un soutien-gorge, il y avait une perruque, une tenue qui fait habiller, enfin on peut penser que c'est une tenue de soirée. Bon. Est-ce que c'est un lien avec notre personne? On n'en sait rien. Toujours est-il que ces objets et vêtements sont saisis et pour reconnaissance éventuelle. À quelques mètres de la départementale 27, le corps repose sur le dos, le long d'un tronc d'arbre. On retrouve à sa droite un soutien-gorge, au-dessus un peignoir et une perruque. Un peu plus loin, une combinaison de soirée noire. Le médecin de l'UMJ qui vient sur place faire les constatations médico-légales a constaté que la tête a été découpée. Première idée qui nous passe par l'esprit, c'est que si on a supprimé la tête, c'est pour qu'on ne puisse pas l'identifier. L'auteur du crime a de toute évidence tenté de ralentir le travail d'identification de la gendarmerie. Sa victime n'est plus reconnaissable. Et pour les équipes présentes sur place, la scène du crime est particulièrement difficile à étudier tant le corps est mutilé. Alors l'ambiance était vraiment toute particulière sur place. En effet, les gendarmes, pour certains, étaient assez pâles, voire livides. A priori, la découverte qu'ils venaient de faire en forêt les a retournés, en fait. On sentait qu'on n'avait pas affaire à quelque chose d'habituel. On sentait que c'était un dossier important qui venait de s'ouvrir. Que ce corps n'était pas le corps d'un simple promeneur égaré et que la découverte était, je dirais, stupéfiante. Le corps a été retrouvé en forêt. On ne peut pas dire s'il a été tué sur place. On ne sait pas, peut-être. Marilyn Baranès est psychologue et expert judiciaire. Elle n'a pas travaillé sur cette affaire, mais est une habituée de ce type de dossier criminel. Être face à une scène de crime où on a un corps décapité, nu, dans la forêt, à la fois on peut rien en dire et à la fois on commence à élaborer des tas d'hypothèses. D'apparence et d'après ce que nous dit le médecin sur place, la datation remonte à plusieurs semaines, hein, peut-être 6, 7, 8, mais c'est très aléatoire, hein, puisque les conditions de température peuvent interviennent et modifient cette date. Donc la méthode actuelle la plus sûre, c'est l'entomologie, donc c'est l'étude des larves et des insectes. On sentait qu'ils avaient besoin de travailler sur la scène, recueillir le maximum d'indices, le maximum de preuves, d'informations. Ils faisaient des allers-retours avec des grands sacs en craft marron. Ils ramenaient tout ce qu'ils pouvaient. Hein. Ils avaient sorti les pelles pour creuser le sol. Et c'est un petit peu plus tard qu'un gendarme est venu me voir et m'a dit « Bon ben voilà, on a découvert en effet un corps qui présente de graves mutilations. » Ce qu'on peut dire, c'est que une tête coupée, c'est pas le fruit du hasard. On est là dans un acte quand même de barbarie, et donc on est dans de la violence et on est dans de la pathologie. Alors on a fait un rappel à des spécialistes, enfin les chiens spécialisés en recherche des restes humains, et malheureusement on n'a pas retrouvé cette tête. Et en fin de journée, ils m'ont confirmé qu'il s'agissait bien d'une femme, qu'elle était nue, qu'elle n'avait plus de tête et que la tête n'était pas présente à côté du corps, ce qui leur posait aussi beaucoup de difficultés, et que les mutilations, au moins pour les mains, pouvaient peut-être être d'origine animale, pour le cœur, certainement humaine. Lors de l'autopsie, donc, il a été réalisé les prélèvements musculaires notamment, et les prélèvements en vue d'une recherche ADN. Une fois l'ADN extrait, donc, il est transmis à ce qu'on appelle le FNAEG,
donc le fichier national des empreintes génétiques, où dans ce fichier on rentre toutes les personnes disparues. Le corps est transporté au service de médecine légale de l'hôpital de Garches dans les Hauts-de-Seine. L'autopsie est effectuée le 15 janvier 2007. La victime est une femme de type caucasien, âgée d'une soixantaine d'années. Une large plaie sur son thorax laisse apparaître de nombreux organes manquants. La section du poignet droit est nette. À gauche, le bras est coupé au niveau du coude. Le médecin légiste évoque pour ces amputations des membres supérieurs une action animale. La tête a été coupée intentionnellement, cœur battant ou très peu de temps après la mort. Un trou de 8 mm au niveau du sternum est également à signaler parmi les nombreuses plaies que compte la victime. Le médecin ne parvient pas formellement à déterminer les causes du décès. Il serait survenu suite à la décapitation ou à la plaie thoracique. L'identification du corps a été extrêmement rapide, alors qu'on pouvait s'attendre à l'inverse. Hein. On a quand même une femme qui n'a plus de tête, plus de main, donc ça veut dire plus d'empreintes digitales, ça veut dire plus de visage à comparer à des photographies. Et l'identification a été très rapide. Ça leur a pris 5 jours pour mettre un nom sur cette femme. Le corps livre peu à peu les éléments qui vont permettre de l'identifier. Sa taille, 1m33 sans la tête, une corpulence moyenne avec 44 kg, une cicatrice récente au niveau de la vésicule biliaire, puis finalement les résultats des prélèvements effectués en salle d'autopsie. L'ADN du corps correspond à celui d'une personne disparue. Le cadavre décapité porte désormais un nom, celui de Nicole Saada. Les gendarmes ont vraiment bien travaillé avec leurs homologues parce qu'ils ont tout de suite pensé à elle qui était portée disparue depuis plusieurs mois. Ça a été immédiat et finalement leur instinct, je pense, a beaucoup joué dans la rapidité de l'identification. On diffuse sa photo, son signalement, les circonstances, les derniers moments où les gens l'ont vue, et puis effectivement on perd sa trace à partir du 10 novembre grosso modo. Quand on découvre le corps de Nicole Saada, cela fait donc 2 mois qu'elle a disparu. Personne ne l'a vue vivante depuis le 10 novembre 2006. Ce jour-là, elle avait prévu de retrouver des amis et élèves pour se rendre à une manifestation de danse. Ils avaient rendez-vous chez une amie, ils l'ont attendue, ils l'ont appelée à plusieurs reprises parce que c'était pas dans son habitude de ne pas venir, ou en tous les cas de ne pas prévenir si elle avait un empêchement. Ils ont appelé à plusieurs reprises et sur son fixe et sur son portable sans succès. À force, eh bien, effectivement, la messagerie est devenue saturée. Parallèlement à ça, sa fille, qui avait l'habitude de l'appeler tous les jours, essayait également de la joindre sans succès. Plus le temps passait, plus j'étais dans une voie tragique, on va dire. Le lundi, les cours, c'était à 19h. Je n'ai pas voulu arriver à 19h. J'avais peur de ne pas la voir. Et j'ai un peu traîné, je suis venue un petit peu plus tard. Et avec cette appréhension de constater, parce que moi, déjà, j'avais mes idées en tête, mais là, c'était le constat de la disparition. C'est pas le profil de quelqu'un qui part faire une fugue. Qui part à l'aventure comme ça, 62 ans, elle a une vie à peu près rangée. Donc assez vite, on part quand même sur ce que les gendarmes appellent même une disparition inquiétante, c'est-à-dire quelque chose de suspect dès le début. Une enquête judiciaire a été ouverte, une information judiciaire également. Pour les gendarmes, cette disparition est très alarmante. Ils enquêtent activement et cherchent tout indice leur permettant de comprendre ce qui a pu arriver à Nicole Saada. Les gendarmes vont perquisitionner le domicile de Nicole Saada, qui vont placer sous scellé d'ailleurs, ainsi que le petit box qui abritait la salle de danse qui est dans la cour. Ils vont fouiller à la recherche de tout ce qu'on peut trouver sur une personne dont finalement on ne sait pas grand-chose, si ce n'est que c'est une personne à peu près comme toutes les autres de sa ville, qui n'a pas un profil particulier, qui n'est pas connue des services de justice, qui n'a aucune raison de disparaître comme ça. Donc ils vont rechercher un petit peu dans son passé, dans ses relations, dans sa vie sociale, dans sa vie associative via la danse,
tout un tas de gens qui peuvent la connaître et qui peuvent surtout leur indiquer ce qu'elle faisait autour du 10 novembre avant de disparaître. Mais à ce stade de nos investigations, on pense qu'elle est encore vivante et qu'elle est peut-être séquestrée tout simplement. D'ailleurs, très vite, il y a des recherches qui vont être organisées autour de son domicile. Il faut savoir qu'elle habite en lisière de la forêt de Montmorency. Donc très vite, les gendarmes vont s'intéresser à des plans d'eau, à des zones boisées qui sont à côté de chez elle, pour voir si on retrouve pas des indices, un corps, un vêtement, quelque chose. Mais assez vite, on part quand même sur une hypothèse criminelle, quoi, plutôt pour sa disparition. À la mi-novembre 2006, la disparition de Nicole est d'autant plus inquiétante que les enquêteurs ont prélevé du sang sur le carrelage blanc de son garage, qu'elle avait aménagé en salle de danse. Une analyse ADN va démontrer que ce sang lui appartient. La disparition de cette femme à Domont était inquiétante puisque les constatations avaient établi que avaient permis de retrouver du sang dans le garage à proximité du lieu de stationnement de son véhicule. Et le 18 novembre, les enquêteurs découvrent sa voiture incendiée de façon criminelle. L'espoir de retrouver Nicole Saada en vie est de plus en plus mince au fil des jours qui passent. Le 10 novembre 2006 est donc le dernier jour où Nicole Saada a été vue en vie. Afin de faire avancer l'enquête, on tente de savoir qui elle est, ce qui compose son entourage et quel genre de vie elle mène. On apprend qu'en prenant sa retraite de son activité de comptable, elle décide de transformer sa passion pour la danse en un métier. Elle reprend alors des cours de danse, obtient des diplômes et crée une association en 1996 où elle enseigne la danse de salon. Appréciée de tous, le nombre d'adhérents de son association ne cesse de croître au fil des années. On cherche à savoir un petit peu qui c'est Nicole Saada. A priori, c'est une retraitée lambda. On sait qu'elle a des activités dans un club de danse, qu'elle donne elle-même des cours de danse. Donc on essaie un petit peu de voir si on peut faire un petit portrait de cette femme, qui elle est, si elle a une vie sociale riche. Donc c'est vrai qu'elle était une femme extraordinaire. Elle donnait toute son amitié sans aucun intérêt, elle n'attendait jamais un retour. Dès qu'on demandait quelque chose, elle était toujours là. Non jamais pour moi, mais en général, je parle. Il suffisait de taper son nom sur Internet et on tombait tout de suite sur son association où on la présentait comme une bonne prof de tango. Il y avait des photos, il y avait tout un tas d'éléments qui montrait que c'était une dame qui aimait bien vivre, qui profitait de sa passion. Et quand elle rigolait, tout le monde suivait derrière et c'est vrai qu'on finissait tous pour rigoler ensemble. Mais toujours très expressive. Elle est extrêmement dynamique, extrêmement attentive à son apparence, très féminine, toujours omnubilée par son poids, par sa forme, passionnée par son rôle de maman, son rôle de grand-mère également, très famille, extrêmement famille, deux passions, quoi, la famille et la danse. On se rend également à son domicile à Domont. Alors elle habite, c'est un petit peu particulier, elle habite dans un grand pavillon, mais elle occupe juste le rez-de-chaussée de ce pavillon. C'est un pavillon qui est séparé en appartements. Donc on va voir chez elle un petit peu, essayer de voir ses voisins. On en voit quelques-uns, décrivent tous une femme très discrète, qui effectivement donne des cours de danse. Elle a même aménagé un box qui est dans la cour du pavillon pour le transformer en petite salle de répétition. Donc on obtient des détails comme cela, mais pas beaucoup plus. Elle ne nous est pas signalée comme étant quelqu'un de dépressive, c'est même au contraire, j'allais dire, une bonne vivante. Donc a priori, quelqu'un à qui on ne peut pas faire de mal, quoi. Elle nous est présentée comme quelqu'un de bien, en fait. Sa vie plutôt rangée ne laisse rien présager de ce que l'on va découvrir sur la scène du crime. Seule ombre au tableau, une histoire d'amour avec un homme qui vient de s'achever 3 mois plus tôt. Les gendarmes tentent donc d'en savoir davantage sur cette relation. Et rapidement, les langues se délient. Cet homme s'appelle Christian Ximénez. C'est un homme divorcé de 72 ans. Il est entré dans sa vie en 2004 et beaucoup de choses ont changé depuis son arrivée. Ils avaient une passion commune qui était la danse, hein, puisqu'ils se sont rencontrés effectivement lors d'une manifestation de danse.
c'était plutôt un bon danseur. Nicole Saada était une très bonne danseuse, donc c'est sûr que ça les a rapprochés. Donc Nicole Saada, 60 ans, on peut dire a priori qu'elle avait envie de rencontrer quelqu'un, parce que sinon elle n'aurait pas été perceptive au déploiement de séduction de Monsieur Ximénez. Donc probablement que, après tout, pourquoi pas rencontrer quelqu'un à 60 ans. Bon, et puis elle croit ce monsieur, et en tout cas elle est à un moment de sa vie où elle a envie d'y croire, elle a besoin d'y croire. Je pense qu'il y avait un tout, et elle cherchait cette personne, donc une personne disponible, mais complètement disponible dans tous les sens du mot, et disponible par rapport à avoir une relation homme-femme, une relation donc avoir un compagnon, et disponible aussi pour l'aider à suivre et continuer dans cette voie d'association des danses. Nicole en parlait à ses amis, elle disait voilà, j'ai trouvé, même au départ elle disait j'ai trouvé l'amour. Alors certes, il y avait aussi le côté sécuritaire qui attirait Nicole, mais il y avait aussi l'amour. Et puis Christian lui faisait découvrir autre chose, puisqu'il connaissait vraiment beaucoup de monde. Il l'a même amené à une soirée où il y avait Jacques Chirac. Au départ, elle a été peut-être subjuguée, admirative de la personnalité de quelqu'un qui avait fait plein de choses dans sa vie, qui avait eu des postes extrêmement importants. Il va s'avérer que c'était pas vrai, mais voilà, il l'a embobiné, il l'a ensorcelé et l'a mis complètement sous sa coupe. C'est la première fois qu'il a réussi à trouver une femme avec laquelle il pouvait tout partager, le quotidien, mais aussi sa passion, et donc qui est devenue leur passion commune, la danse, et donc le tango argentin. Et dès le début, ils ont eu un petit coup de foudre, puisque donc ça s'est passé en stage. Ils se sont rencontrés lors d'un stage de danse, d'ailleurs, à Paris. Et puis, ils sont restés 3 jours ensemble. Et c'est à la fin de ces 3 jours qu'elle l'a invité chez elle. Et bon, ben là, ils ont commencé à avoir une relation amoureuse. Mais très, très vite, Monsieur Ximénez s'est imposé dans la vie de Nicole Saada, venant très rapidement aux réunions de famille, sachant tout sur tout. C'était inimaginable, parce qu'on n'avait plus droit à dire, à s'exprimer. Quand on posait une question au niveau de la danse, Nicole, c'était lui qui répondait. Mais on n'était pas là pour ça. Donc c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a une cassure. Elle avait changé. Et bon, et à partir de là, petit à petit, je me rends compte qu'elle s'éloigne, pas de moi, de tout le monde. A fortiori de moi, ça m'a fait énormément de la peine, parce qu'on avait toujours nos petites conversations autour d'un café, autour d'un petit verre, et sympathique. Et tout ça, c'était fini. En août 2006, Nicole quitte Christian Ximénez. Les derniers mois qu'ils ont passés ensemble ont été houleux et c'est loin d'être fini. L'amant éconduit digère très mal la séparation et développe une véritable obsession pour son ex-compagne. Pour Nicole, la situation devient vite infernale. Et en fait, il va la traquer. Il va faire le tour de France en 15 jours et il la suit partout. Parce que Christian Ximénez, c'est quelqu'un qu'on ne quitte pas. Depuis le 23 août 2006, Nicole Saada est à nouveau célibataire. Pour Christian Ximénez, c'est insupportable. Dès lors, il ne peut plus s'empêcher de guetter son ex-compagne et de la suivre partout. Il ne vit plus que dans l'espoir de l'apercevoir. Sa hantise, qu'elle se console dans les bras d'un autre. C'est cette attitude excessive depuis la fin de leur relation qui apparaît tout de suite aux gendarmes comme suspecte. 8 jours après la disparition de Nicole Saada, le 18 novembre 2006, les enquêteurs décident de l'entendre en tant que témoin sur les circonstances de la disparition. On se dirige vers lui, puisqu'on sait qu'il était en froid, qu'il y avait un gros problème relationnel dans le couple. Lui, il faisait peur, là. À la fin, donc avant le mois d'août, on va dire les 5 derniers mois, c'était épouvantable aussi, je pense, pour elle, de pouvoir subir à chaque fois. Donc il était très agressif envers elle, verbalement parlant, et aussi physiquement, parce que elle se faisait aussi tabasser de temps en temps. Donc on décide le samedi 18 d'entendre Monsieur Ximénez. Il a reçu une convocation, il s'y déplace spontanément.
Et quand il vient au commissariat, il vient avec sa sacoche habituelle. Bon, on a 15 ans, on a tout, une sacoche. Et sauf que dans cette sacoche, il y a quoi? Il y a des choses qui sont contre lui. On découvrira contre lui par la suite. Mais il vient avec un couteau. Il vient avec les clés du domicile de la victime. Ces clés permettent d'ouvrir le portail qui donne accès à la propriété de la victime, la clé de la boîte aux lettres, et également la clé qui permet d'ouvrir le garage dans lequel on a retrouvé les traces de sang de la victime. Pour lui, c'est sa façon de dire à la police, attendez, j'ai rien à cacher. Moi, Madame Saada et moi, on était liés jusqu'à la mort. Donc j'ai ses clés de portail, j'ai un couteau, alors je sais pas ce qu'il a dit, pourquoi il avait un couteau, mais il a des explications à tout. Le 18, peu avant midi, on apprend que le véhicule de la victime a été retrouvé incendié à Tismons, ville où habite également M. Ximénez. Cette voiture brûlée, ça m'a donné tout de suite un déclic en disant elle est morte. Lorsqu'on informe M. Ximénez que l'on a retrouvé le véhicule de la victime à 800 mètres environ de chez lui à vol d'oiseau, donc là, il se lève et il nous dit mais ils auraient pu la brûler à côté de chez moi. Voilà. En fait, à aucun moment l'enquêteur qui avait en charge son audition lui a parlé que le véhicule avait été brûlé. C'est de lui-même qu'il nous parle de ce véhicule brûlé. Et là, on s'est dit, là il a certainement quelque chose à voir avec cet incendie, puisque qui d'autre que l'incendiaire peut savoir, ou les enquêteurs, peut savoir que le véhicule a été brûlé. La voiture est retrouvée en proximité directe de la Seine, sur les berges de la Seine à Tismons. Donc on va rappeler les plongeurs une nouvelle fois, ceux qui ont déjà plongé dans les étangs de la forêt de Montmorency et autour de son domicile. Et cette fois-ci, on va leur faire sonder la Seine à proximité de l'endroit où la voiture de Nicole Saada est découverte, pour voir s'il n'y a pas un lien géographique direct entre la voiture et la possibilité de retrouver le corps de Nicole Saada. Parallèlement, on apprend également que l'après-midi de la disparition de Nicole, il se trouvait donc à Daumont, sur le même secteur géographique, puisque on apprend que son portable déclenche le secteur de Daumont. Jusqu'au placement en garde à vue, ça se passait très bien, il discutait, beaucoup, c'est quelqu'un qui discute beaucoup, mais bon, on arrivait à discuter, à échanger, bon, ça se passait bien. À partir du moment où il était mis en garde à vue, déjà, ça s'est un peu moins bien passé, il était un peu plus réticent à nous parler, bon, mais on arrivait quand même à échanger. Et puis, lorsqu'on a commencé à aborder les éléments qui devenaient gênants pour lui, il a fait le blocus, donc il s'est tu carrément, il s'est replié sur lui-même, et puis il n'a plus voulu discuter. Mais quand je dis plus voulu discuter, c'est pendant des heures, il est resté 3-4 heures sans discuter, sans ouvrir la bouche, de façon, il se tenait les mains, et il ne voulait plus bouger, il ne voulait plus parler. À l'issue de l'audition, donc on a des éléments qui vont à l'encontre de M. Ximénez. Vous avez son téléphone portable qui déclenche l'après-midi du 10, alors qu'il dit n'avoir jamais mis les pieds sur la commune de Daumont. Il dit que le 10 après-midi, il se trouve à une cérémonie militaire, au fin fond du 91, alors que les investigations démontrent qu'il n'y était pas. Comme élément également, on a aussi la découverte, lors de la perquisition réalisée à son domicile, d'un ticket de paiement de carburant SP98. C'est important puisque la voiture de la victime fonctionne à l'essence, tandis que sa propre voiture à lui fonctionne au gasoil. Donc il ne peut pas acheter de l'essence, enfin il ne peut pas en mettre dans son véhicule, ou alors il serait tombé en panne. Dès le 18 au soir, on va contacter la société ESSO.
et qui va mettre à notre disposition la bande d'enregistrement pour la nuit concernée, pour le 10 au soir. Et sur cette bande vidéo apparaît donc à 23h30 Monsieur Ximénez au volant de la voiture de la victime, donc une 206 essence. Et on le voit rentrer sur la piste de la station-service, s'arrêter à la pompe, mettre du carburant dans le réservoir, mais également dans un bidon. Et puis repartir. Le paiement va être réalisé avec sa carte bancaire, à lui. Carte bancaire qui, bien sûr, n'est pas signalée volée. Donc, ça va le confondre. Ce ticket de carte bleue a une importance fondamentale dans cette enquête, car il démontre que Christian Ximénez a acheté de l'essence sans plomb 98. C'est la preuve qu'il conduisait le véhicule de Nicole Saada le soir de sa disparition et non le sien, étant donné que son véhicule fonctionne au gasoil. Cette piste permet aux gendarmes d'obtenir une preuve en image de son implication dans la disparition de son ex-compagne. Sur la vidéo de la caméra de surveillance de la station-service, les enquêteurs le découvrent mettant de l'essence dans le véhicule, puis dans un bidon. 15 litres en tout. Christian Ximénez doit maintenant donner des explications, alors qu'il affirmait jusqu'à présent ne rien savoir sur cette affaire. Les preuves s'accumulent contre Christian Ximénez, dont une essentielle. Des traces de sang découvertes sur son jean. L'analyse révèle que ce sang est celui de Nicole Saada. Il est donc mis en examen pour enlèvement et séquestration, et écroué à la maison d'arrêt du Val d'Oise le 20 novembre 2006, date du mandat de dépôt. Mais les gendarmes ne savent toujours pas où est Nicole Saada. Ils ignorent si elle est morte ou vivante. Les enquêteurs ont cependant l'intime conviction que Christian Ximénez a la clé de cette énigme. Mais il ne dit rien. Cette impression qu'il a tout calculé pour s'approprier d'abord de l'association, de la danse et tout, pour arriver à s'approprier de Nicole et de ses biens, et de ses deniers. Donc c'était une escalade dont seulement lui savait comment allait se passer, et le jour que Nicole a dit « basta, là j'en peux plus », ben pour lui c'était plus possible. Ça faisait 2 ans qu'il venait, ou 3 ans qu'il venait en train de faire son plan, et à la fin, arrivé, Nicole lui dit non stop, donc bien évidemment que lui il n'a pas accepté, pas digéré, d'où il a décidé de tuer, pas par amour, mais par amour propre. Donc Christian Ximénez qui nie tout en bloc depuis le début, il faut qu'il trouve des parades pour s'en sortir, et la parade qu'il va trouver, c'est de dire, bah oui, j'étais bien présent ce soir-là, oui, il y avait Nicole Saada, mais on m'a demandé, des hommes en noir m'ont demandé, m'ont pris en otage, et m'ont demandé d'emmener Nicole Saada, enfin... Il invente un espèce de scénario, qui est assez répandu chez des gens qui nient souvent un peu les évidences, c'est-à-dire c'est un peu les hommes en noir, c'est-à-dire des mystérieux hommes dont on ne sait pas trop pourquoi ils voudraient enlever Nicole Saada ni pourquoi ils voudraient la tuer, parce que pour le coup ils n'ont aucun rapport avec elle, que lui en a eu quand même pendant un certain temps. Allégation fantasque, et pourtant Christian Ximénez croit avoir un solide alibi avec sa prise d'otage. Pour lui, le déroulé de ce 10 novembre 2006 est très précis. Ce fameux 10 novembre 2006, eh bien pour lui, il était dans l'après-midi, il est parti dans l'espoir de voir Nicole Saada. Donc il va déjeuner, il raconte qu'il fait une petite sieste dans sa voiture, il raconte qu'il se réveille en fin de journée, qu'il n'a pas vu Nicole, et qu'en repartant du centre commercial, au moment où il rentre sur la départementale, eh bien il s'est fait kidnapper. Ses kidnappeurs, moi, son kidnappeur, puisque c'était un kidnappeur qui était avec lui dans la voiture, suivi par 2 autres kidnappeurs dans une autre voiture. Et donc, son kidnappeur a demandé à Christian Ximénez de rentrer dans la voiture de Nicole Saada. À partir de là, débute un long périple de plus de 3 heures, allant de chez Nicole dans le Val d'Oise vers le domicile de Christian Ximénez dans l'Essonne. En chemin, son agresseur lui aurait demandé de faire le plein et de remplir un bidon d'essence dans une station-service de Chilly-Mazarin. L'homme serait descendu du véhicule avant d'entrer dans la station. Aucun témoin n'a vu ces hommes cagoulés. Christian Ximénez est le seul à avoir été filmé par la caméra de surveillance. Et ensuite, Christian aurait vu dans la voiture de derrière ces 2 kidnappeurs qui auraient pris un corps, ou en tout cas quelque chose d'assez long, dans une couverture.
Et c'est de là que Christian en a déduit que ça pouvait être Nicole. Il y avait plusieurs voitures, a priori, un petit convoi. Ils sont retournés jusqu'à son domicile. Ils lui ont remis un trousseau de clés en lui disant, alors ce sont ses propres termes, ferme ta gueule, rentre chez toi, voilà. Alors qu'il a été apparemment terrorisé par cet enlèvement manu militari, il va s'empresser d'aller chez son coiffeur habituel. Et quand vous lui posez la question, il vous répond bah, parce que c'était prévu. Il est intimement convaincu qu'il existe une mafia du tango argentin, vu qu'il est professeur de tango et qu'il y avait déjà un ami de Nicole Sada qui s'était fait agresser par d'autres professeurs de tango argentin, mais vraiment avec des calibres, etc. Donc c'était quelque chose de plus musclé. Et du coup, Christian Ximénez pensait qu'il y avait véritablement une mafia du tango argentin. Ou alors que les témoins de Jéhovah auraient pu avoir une quelconque incidence sur ce kidnapping. Et ce qui est assez étonnant, c'est... je dirais la précision chirurgicale du scénario exposé par Christian Ximénez. Scénario que personnellement j'ai tenté de vérifier. Et c'est une histoire complètement incroyable. Incroyable. Alors après, est-elle vraie ou fausse? Pour lui, c'est la vérité pure. C'est ce qu'il a vécu, il le raconte. Il l'a raconté à son premier procès, il l'a raconté en appel. Voilà, pour lui, il est victime de cette organisation. Le scénario, non, bon, il nous a fait un peu sourire ce scénario, puisque c'est vrai que c'est surtout, bon, c'est imagé, c'est, je sais pas, il a dû copier ça dans un film, je sais pas, bon, enfin c'est un peu farfelu ça. Surtout qu'il ne colle pas du tout, le scénario colle pas du tout à la réalité du terrain. Hein. Il n'y a pas un début de preuve sur cette version, il n'y a rien, il n'a été capable de donner aucune description de ses soi-disant agresseurs. Il faut savoir que plusieurs élèves de l'école de danse ont été interrogés, notamment des gens qui pratiquent beaucoup le tango argentin, et tout le monde s'accorde à dire qu'il n'y a pas de mafia du tango argentin. Pourtant, Christian Ximénez semble convaincu de sa version des faits. Il la raconte avec une extrême précision. Les experts diagnostiquent chez lui une structure paranoïaque. Les enquêteurs, quant à eux, se demandent s'il ne finit pas par croire réellement à cette histoire. Il sait que ça ne s'est pas passé comme ça. Il sait qu'il a tué Madame Sada. Ce n'est pas quelqu'un qui a des hallucinations, qui est dans un délire et qu'on ne peut pas juger. C'est quelqu'un qui est dans la stratégie de la pensée, qui a au niveau juridique prémédité ce qu'il a fait, qui est dans la pathologie du lien à l'autre, et tout ça l'amène à tuer Madame Saada. Mais il finit par adhérer, c'est-à-dire que comme il ne donne qu'une version et qu'il s'accroche à une version, à force de la répéter, à force de la raconter, à force d'imaginer cette scène, il n'en voit plus aucune autre. Les gendarmes ne croient pas au récit de la prise d'otage. Pour eux, les preuves contre Christian Ximénez sont tangibles. Voiture de la victime conduite par lui, puis brûlée près de chez lui. Sang sur son jean. Couteau avec ADN de la victime sur la lame. Clé du domicile de Nicole Saada dans sa mallette. Les preuves sont là, mais Christian Ximénez n'avoue toujours pas. Afin d'en savoir plus, on s'intéresse de plus près à la personnalité de Christian Ximénez, qui va révéler de nombreuses surprises. Le soi-disant ingénieur à la retraite, ancien combattant et aux multiples relations prestigieuses, est en réalité un vieil homme seul et au passé sombre, et ayant déjà eu des rapports litigieux avec son ex-femme. Quand on est arrivé chez lui, on a eu un contraste, il y a eu quelque chose qui nous a frappé en quelque sorte, c'est... ce côté sombre, froid, en contradiction par rapport à l'appartement de la victime, de Nicole, où c'est chaleureux, c'est gai, c'est agréable, c'est ouvert. Et tandis que chez lui, c'était froid, c'était vieux. Enfin, et puis, il y a quelque chose qui nous a étonné, c'est que toutes les vitres étaient peintes au blanc d'Espagne. Il a envie de se renfermer. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est vrai que ça nous a un peu surpris. Les gendarmes vont retrouver chez lui une collection de corps aux pieds. C'est-à-dire qu'il collectionne des vieux corps aux pieds qu'il maintient dans une espèce de formol, une espèce de liquide pour les conserver.
Donc c'est une collection quand même assez particulière. Je suis même pas sûr qu'il soit deux à collectionner ça dans le monde, mais lui, il collectionne les corps aux pieds. Et donc ça ajoute à un personnage qui est déjà très trouble, dont on s'apercevra plus tard en fouillant le dossier, notamment avec le témoignage de ses propres enfants et de son ancienne femme, que c'est quelqu'un qui a un passé très lourd, un passé assez violent aussi. Donc ça ajoute un petit peu à un personnage inquiétant. Bah, c'est un petit monsieur qu'on croiserait dans la rue sans y prêter attention. Parce que il a tout du retraité. Toujours bien coiffé, la moustache, chemise, une petite chemise vraiment classique. Quand je l'ai vu la première fois, je ne m'attendais pas du tout à avoir un homme de si petite taille, si bien coiffé, même broché, je dirais, très gentil, en revanche avec une sacrée poigne de main très ferme. C'est quelqu'un qui s'est fait à la force du poignet, pour des raisons familiales, qui tiennent à son enfance, un culte à sa mère, une dévotion à sa mère assez prégnante. Une éducation assez carrée, le fait que très jeune il soit investi de responsabilités d'adulte. Alors c'est quelque chose qu'on rencontre, je dirais, de façon assez banale, hein. Chez lui, ça prend une dimension presque sacerdotale, c'est-à-dire que tout doit être parfait. Il ment sur ses antécédents professionnels pour se mettre en valeur. C'est quelqu'un qui aime beaucoup se mettre en valeur. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est bien pour son âge, hein, physiquement. C'est quelqu'un qui a une mémoire extraordinaire, qui a l'air d'avoir une bonne forme physique. Et puis, c'est quelqu'un aussi d'extrêmement, extrêmement procédurier. Madame Saada, en fait, dans un premier temps, lui ouvre toutes les portes. Hein, elle est séduite par cet homme qui est tout le temps là et qui a des solutions à tout. Donc elle lui donne son numéro de compte. Une impression, je veux dire, horrible, je ne sais pas si c'est le mot, mais ça n'allait pas avec Nicole. Ce n'était pas la super personne pour dire qui doit aller avec qui, mais je n'ai pas pensé que c'était la personne. À la fin du cours, j'appelle Nicole, je dis mais Nicole, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas possible, d'où tu l'as sorti? Mais on dirait un mec. Tous les élèves, ils sont partis parce qu'à la fin, c'était lui qui donnait les cours. Alors qu'il n'était pas prof, nous on venait pour prendre des cours avec Nicole. C'était notre professeur, on était là pour elle. Il a une totale emprise sur elle qui va se faire petit à petit, hein, c'est-à-dire que petit à petit il va l'isoler de tout le monde pour qu'elle soit encore plus sa chose. Donc il va l'isoler effectivement de ses amis et élèves dans le cadre de la danse. Il saura toujours tout mieux que tout le monde. Donc il va lui expliquer qu'effectivement l'association qu'elle avait montée, c'est pas comme ça que ça doit être fait, que les pas de danse qu'elle montre, c'est pas comme ça qu'on doit les faire. Donc les élèves qui connaissaient Nicole Saada depuis toujours et qui se plaisaient dans ses cours de danse, qui étaient un moment de loisir, eh bien petit à petit vont quitter parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils monopolisent complètement et Nicole n'a plus sa place alors que c'est son association et ça va être comme ça pour tout. Elle ne pourra plus rien faire toute seule. Et puis, très très rapidement, il va probablement commencer à demander de la reconnaissance, commencer à vérifier tout ce qu'elle fait, où elle est, etc. Elle va avoir besoin, elle va avoir un sentiment d'étouffement. Bon, et puis elle va commencer à faire marche arrière. J'ai pas envie de te voir, j'ai envie qu'on arrête notre relation, voilà, stop. Je veux plus que tu sois le président de mon association et je veux plus que tu viennes chez moi, etc., etc. On renvoie en miroir à l'autre la notion qu'il n'est pas tout puissant. Voilà. Et ça, c'est insupportable pour M. Ximénez. C'est insupportable pour des structures paranoïaques. Vous savez, M. Ximénez, il voit des amants partout. Donc, chaque homme est un amant potentiel de Nicole Saada. Donc, voilà, c'est ça, sa personnalité. Et puis, il est intimement, je pense, au fond de lui, persuadé qu'il sait mieux que les autres tout faire. Pourtant, son alibi n'est pas convaincant. Son parcours le jour de la disparition de Nicole Saada, mis en évidence par les enquêteurs, se dessine tout autour de l'Île-de-France dans différents endroits qu'il connaît bien.
De Daumont, où réside Nicole Saada, à Athis-Mons chez lui, puis finalement dans la forêt de Rambouillet vers Clairefontaine, où il a vécu étant jeune. Christian Ximénez nie et tente de répondre point par point aux questions soulevées par les gendarmes. Quand le corps est découvert sur la scène du crime le 12 janvier 2007, Christian Ximénez est déjà incarcéré depuis presque 2 mois. Mais cela ne modifie pas sa version des faits pour autant. À l'ouverture de son procès le 16 juin 2008, la famille de la victime espère apprendre toute la vérité sur les conditions du décès de Nicole pour pouvoir faire son deuil. Mais non, Christian Ximénez ne dira rien. Condamné à perpétuité, il n'en reste pas là et clame à nouveau son innocence à Versailles où un nouveau procès en appel s'est ouvert le 29 juin 2009. Mêmes acteurs, même scénario. L'accusé nie les faits de A à Z. L'ambiance était très pesante. La famille, quand on discutait avec elle, disait qu'elle n'en pouvait plus, que ça faisait trop longtemps que ça durait. On a vu très régulièrement la famille s'adresser directement à Christian Ximénez lorsqu'il était interrogé par la cour. Chose qu'habituellement on ne voit pas dans un procès aux assises. Hein. Pour moi, dans ce dossier, il y avait quand même de quoi se battre. Alors bon, avec la version édulcorée de Christian, c'était un peu compliqué, mais on a quand même voulu montrer qu'il y avait peut-être un doute sur sa culpabilité, parce qu'on a fait de lui véritablement le coupable idéal. Oui, il y avait quand même quelque chose qui était patent dans ce dossier, c'est qu'on n'a pratiquement pas trouvé de traces de sang. Et quand je dis pratiquement pas, c'est juste une petite goutte, pas plus grosse qu'une graine de café. Surtout à quel endroit? Derrière, sur le jean de Christian, au niveau de l'ourlet gauche. Dans le box des accusés, il a son dossier à côté de lui. Il connaît les cotes par cœur. Par cœur. Il cite les cotes longuement. Il revient très facilement sur chacune des cotes. Il connaît très 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 bien son dossier. Voilà. Quand il a eu la possibilité de pouvoir s'exprimer, c'était pour lui quelque chose de... Voilà, il avait envie de pouvoir raconter sa version des faits et surtout de dire, voilà, je suis innocent, croyez-moi. Certes, j'ai suivi Nicole, je l'aimais, je l'ai peut-être un peu harcelé, mais ce n'est pas moi. Et de ne pas entendre une excuse, un pardon, ou de ne pas assister, ou de ne pas voir quelqu'un qui fasse profil bas, ça a dû déplaire. La cour d'assises, c'est comme une pièce de théâtre. Même si je suis jeune avocate, j'ai eu la chance de pouvoir plaider aux assises pas mal de fois. Et donc je me rends compte que véritablement c'est une pièce de théâtre où chaque personnage a véritablement un rôle à jouer. Et Christian Ximénez n'a pas bien joué. Les jurés n'ont pas mis longtemps à rendre leur verdict. Donc voilà, on sentait qu'il fallait que la boucle soit bouclée. S'il n'avait pas été si pointilleux, si exaspérant, si énervant, si agaçant, peut-être qu'on aurait pu obtenir, non pas son innocence, mais en tout cas une réduction de peine. Alors pour lui, il est également victime. Il l'a dit, je suis une victime de la mafia du tango. Voilà. Et à aucun moment, il ne va dire qu'il a tué Nicole Saada. Jamais. Je pense que M. Ximénez n'avoue pas parce que avouer ce crime-là, ça voudrait reconnaître que l'on n'est pas bon. Et M. Ximénez n'est que du positif. M. Ximénez n'est jamais négatif. Donc reconnaître un crime aussi odieux que celui-ci, ça voudrait dire reconnaître qu'il n'est pas bon. Et ça, je crois qu'il en est absolument incapable. Il reste encore bien des mystères sur la fin tragique de Nicole Saada. Où a-t-elle été tuée? Pourquoi a-t-on retrouvé une perruque et des vêtements près de son corps? Où Christian Ximénez a-t-il caché la tête de sa victime? Au jour d'aujourd'hui, la tête n'a pas été retrouvée. Le profil génétique de cette personne donc, a été rentré donc, au niveau FNAEG, donc dans les personnes recherchées. Il reste en base. Si un jour il s'avérait que cette tête soit retrouvée quelque part, et s'il y a une analyse qui est demandée, bon. Peut-être. On a l'espoir que quelques jours, enfin, dans quelques temps, quelqu'un retrouve cette tête et ça matche à nouveau. Et de façon à ce que la famille puisse totalement faire son deuil. Je pense qu'il a dû conserver une partie de sa chair. Et ça, pour lui,
c'était le principal, il peut dire je l'ai eu avec moi et elle est avec moi. C'est pas innocent que si Nicole Saada a été décapitée, c'est un peu de la part de M. Ximénez, peut-être une sorte de fétichisme, une volonté de garder quelque chose d'elle et de dire voilà, tu m'appartiendras toujours. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, reconnaître les faits, ça obligerait forcément à dire où est la tête. À l'issue de son procès en appel, Christian Ximénez a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans, soit 2 ans de plus qu'à son premier procès. Chose, si ce n'est que c'est une personne à peu près comme toutes les autres de sa ville, qui n'a pas un profil particulier, qui n'est pas, pas connu des services de justice, qui n'a aucune raison de disparaître comme ça. Donc ils vont rechercher un petit peu dans son passé, dans ses relations, dans sa vie sociale, dans sa vie associative via la danse, tout un tas de gens qui peuvent la connaître et qui peuvent surtout leur indiquer ce qu'elle faisait autour du 10 novembre avant de disparaître. Mais à ce stade de nos investigations, on pense qu'elle est encore vivante et qu'elle est peut-être séquestrée tout simplement. D'ailleurs, très vite, il y a des recherches qui vont être organisées autour de son domicile. Il faut savoir qu'elle habite en lisière de la forêt de Montmorency. Donc très vite, les gendarmes vont s'intéresser à des plans d'eau, à des zones boisées qui sont à côté de chez elle pour voir si on retrouve pas des indices, un corps, un vêtement, quelque chose. Mais assez vite, on part quand même sur une hypothèse criminelle, quoi, plutôt pour sa disparition. À la mi-novembre 2006, la disparition de Nicole est d'autant plus inquiétante que les enquêteurs ont prélevé du sang sur le carrelage blanc de son garage qu'elle avait aménagé en salle de danse. Une analyse ADN va démontrer que ce sang lui appartient. La disparition de cette femme à Domont était inquiétante puisque les constatations avaient permis de retrouver du sang dans le garage, à proximité du lieu de stationnement de son véhicule. Et le 18 novembre, les enquêteurs découvrent sa voiture incendiée de façon criminelle. L'espoir de retrouver Nicole Saada en vie est de plus en plus mince au fil des jours qui passent. Le 10 novembre 2006 est donc le dernier jour où Nicole Saada a été vue en vie. Afin de faire avancer l'enquête, on tente de savoir qui elle est, ce qui compose son entourage et quel genre de vie elle mène. On apprend qu'en prenant sa retraite de son activité de comptable, elle décide de transformer sa passion pour la danse en un métier. Elle reprend alors des cours de danse, obtient des diplômes et crée une association en 1996 où elle enseigne la danse de salon. Appréciée de tous, le nombre d'adhérents de son association ne cesse de croître au fil des années. On cherche à savoir un petit peu qui c'est Nicole Saada. A priori, c'est une retraitée lambda. On sait qu'elle a des activités dans un club de danse, qu'elle donne elle-même des cours de danse. Donc on essaie un petit peu de voir si on peut faire un petit portrait de cette femme, qui elle est, si elle a une vie sociale riche. Donc c'est vrai qu'elle était une femme extraordinaire. Elle donnait toute son amitié sans aucun intérêt. Elle n'attendait jamais un retour. Dès qu'on demandait quelque chose, elle était toujours là. Et non seulement pour moi, mais en général, je parle. Il suffisait de taper son nom sur Internet. Et on tombait tout de suite sur son association où on la présentait comme une bonne prof de tango. Janvier 2007, un cadavre de sexe féminin est découvert dans les Yvelines en forêt de Rambouillet. Entièrement dénudé, décapité, les mains arrachées et une plaie béante au niveau du thorax qui laisse entrevoir à l'œil nu que le cœur est absent. La difficulté d'une scène de crime en forêt, comme toute scène de crime en extérieur, repose sur le fait qu'on va être soumis aux intempéries, aux problèmes de faune, aux problèmes de flore. On a les risques donc d'intempéries, de pluie, de vent qui risquent de déplacer des éléments. Maintenant, on peut retrouver quand même un certain nombre d'indices. Si c'est un sol qui n'est pas poreux, on peut encore retrouver, quelques mois après, des résidus brunâtres, signe en fait d'un épanchement sanguin. Peut-être va-t-on obtenir de l'ADN. L'ADN a quand même trois ennemis qui sont l'humidité, l'air et la chaleur.
Donc, en milieu extérieur, ces trois éléments, on a de grandes chances de les retrouver. Donc l'ADN va être très fragilisé pour une scène de crime en forêt. Les gendarmes de la section de recherche de Versailles commencent leur travail de fourmi. De multiples constatations et prélèvements sont effectués sur la scène du crime, puis sur le cadavre lui-même. De la terre, différents indices et vêtements disséminés autour du corps, des larves et insectes nécrophages en vue de dater le délai post-mortem. À première vue, le légiste estime que le décès remonte à plusieurs semaines. Ce jour-là, donc, c'était le 12 janvier 2007, hein, donc peu avant midi, une personne qui passait à proximité s'est avancée légèrement dans le bois et puis elle a trouvé ce corps qui était à peu près une quinzaine, vingtaine de mètres du bord de la route, hein, tout simplement légèrement caché le long d'un tronc d'arbre avec des fougères cassées qui recouvraient le corps. Michel Bonafont, technicien opérationnel à l'Office national des forêts, connaît bien les lieux du crime. Donc les caractéristiques du site, hein, sont, je vous dis, des zones de fougères. Bon, là, l'hiver, il n'y en avait pas. Une mare, alors, près de la route. Avec quand même une grosse densité de taillis de... Petit box qui abritait la salle de danse qui est dans la cour. Ils vont fouiller à la recherche de tout ce qu'on peut trouver sur une personne dont finalement on ne sait pas grand chose, si ce n'est que c'est une personne à peu près comme toutes les autres de sa ville, qui n'a pas un profil particulier, qui n'est pas connu des services de justice, qui n'a aucune raison de disparaître comme ça. Donc ils vont rechercher un petit peu dans son passé, dans ses relations, dans sa vie sociale, dans sa vie associative via la danse, tout un tas de gens qui peuvent la connaître et qui peuvent surtout leur indiquer ce qu'elle faisait autour du 10 novembre avant de disparaître. Mais à ce stade de nos investigations, on pense qu'elle est encore vivante et qu'elle est peut-être séquestrée tout simplement. D'ailleurs, très vite, il y a des recherches qui vont être organisées autour de son domicile. Il faut savoir qu'elle habite en lisière de la forêt de Montmorency. Donc très vite, les gendarmes vont s'intéresser à des plans d'eau, à des zones boisées qui sont à côté de chez elle pour voir si on retrouve pas des indices, un corps, un vêtement, quelque chose. Mais assez vite, on part quand même sur une hypothèse criminelle, quoi, plutôt pour sa disparition. À la mi-novembre 2006, la disparition de Nicole est d'autant plus inquiétante que les enquêteurs ont prélevé du sang sur le carrelage blanc de son garage qu'elle avait aménagé en salle de danse. Une analyse ADN va démontrer que ce sang lui appartient. La disparition de cette femme à Dormont était inquiétante puisque les constatations avaient permis de retrouver du sang dans le garage, à proximité du lieu de stationnement de son véhicule. Et le 18 novembre, les enquêteurs découvrent sa voiture incendiée de façon criminelle. L'espoir de retrouver Nicole Saada en vie est de plus en plus mince au fil des jours qui passent. Le 10 novembre 2006 est donc le dernier jour où Nicole Saada a été vue en vie. Afin de faire avancer l'enquête, on tente de savoir qui elle est, ce qui compose son entourage et quel genre de vie elle mène. On apprend qu'en prenant sa retraite de son activité de comptable, elle décide de transformer sa passion pour la danse en un métier. Elle reprend alors des cours de danse, obtient des diplômes et crée une association en 1996 où elle enseigne la danse de salon. Appréciée de tous, le nombre d'adhérents de son association ne cesse de croître au fil des années. On cherche à savoir un petit peu qui c'est Nicole Saada. A priori, c'est une retraitée lambda. On sait qu'elle a des activités dans un club de danse, qu'elle donne elle-même des cours de danse. Donc on essaie un petit peu de voir si on peut faire un petit portrait de cette femme, qui elle est, si elle a une vie sociale riche. Donc, c'est vrai qu'elle était une femme extraordinaire. Elle donnait toute son amitié sans aucun intérêt, elle n'attendait jamais un retour. Dès qu'on demandait quelque chose, elle était toujours là. Et non jamais pour moi, mais en général, je parle. Il suffisait de taper. Vraiment avec des calibres, etc. Donc c'était quelque chose de plus musclé. Et du coup, Christian Jiménez pensait qu'il y avait véritablement une mafia du tango argentin. Ou alors que les témoins de Jéhovah auraient pu avoir une quelconque incidence sur ce kidnapping. Et ce qui est assez étonnant, c'est
je dirais, la précision chirurgicale du scénario exposé par Christian Ximénez. Scénario que, personnellement, j'ai tenté de vérifier. Et c'est une histoire complètement incroyable. Incroyable. Alors après, est-elle vraie ou fausse ? Pour lui, c'est la vérité pure. C'est ce qu'il a vécu, il le raconte. Il l'a raconté à son premier procès, il l'a raconté en appel. Voilà, pour lui, il est victime de cette organisation. Le scénario, non, bon, il nous a fait un peu sourire ce scénario, puisque c'est vrai que c'est surtout... bon, c'est imagé, c'est, je sais pas, il a dû copier ça dans un film, je sais pas. Bon, enfin, c'est un peu farfelu, ça. Surtout qu'il ne colle pas du tout, le scénario colle pas du tout à la réalité du terrain. Il n'y a pas un début de preuve sur cette version, il n'y a rien, il n'a été capable de donner aucune description de ses soi-disant agresseurs. Il faut savoir que plusieurs élèves de l'école de danse ont été interrogés, notamment des gens qui pratiquent beaucoup le tango argentin, et tout le monde s'accorde à dire qu'il n'y a pas de mafia du tango argentin. Pourtant, Christian Ximénez semble convaincu de sa version des faits. Il la raconte avec une extrême précision. Les experts diagnostiquent chez lui une structure paranoïaque. Les enquêteurs, quant à eux, se demandent s'il ne finit pas par croire réellement à cette histoire. Il sait que ça ne s'est pas passé comme ça. Il sait qu'il a tué Madame Saada. Ce n'est pas quelqu'un qui a des hallucinations, qui est dans un délire et qu'on ne peut pas juger. C'est quelqu'un qui est dans la stratégie de la pensée, qui a au niveau juridique prémédité ce qu'il a fait, qui est dans la pathologie du lien à l'autre, et tout ça l'amène à tuer Madame Saada. Mais il finit par adhérer, c'est-à-dire que comme il ne donne qu'une version et qu'il s'accroche à une version, à force de la répéter, à force de la raconter, à force d'imaginer cette scène, il n'en voit plus aucune autre. Les gendarmes ne croient pas au récit de la prise d'otage. Pour eux, les preuves contre Christian Ximénez sont tangibles. Voiture de la victime conduite par lui, puis brûlée près de chez lui. Sang sur son jean. Couteau avec ADN de la victime sur la lame. Clé du domicile de Nicole Saada dans sa mallette. Les preuves sont là, mais Christian Ximénez n'avoue toujours pas. Afin d'en savoir plus, c'est que une tête coupée, c'est pas le fruit du hasard. On est là dans un acte quand même de barbarie, et donc on est dans de la violence et on est dans de la pathologie. Alors on a fait un rappel à des spécialistes, enfin les chiens spécialisés en recherche des restes humains, et malheureusement on n'a pas retrouvé cette tête. Et en fin de journée, ils m'ont confirmé qu'il s'agissait bien d'une femme, qu'elle était nue, qu'elle n'avait plus de tête et que la tête n'était pas présente à côté du corps, ce qui leur posait aussi beaucoup de difficultés, et que les mutilations, au moins pour les mains, pouvaient peut-être être d'origine animale, pour le cœur, certainement humaine. Lors de l'autopsie, donc, il a été réalisé les prélèvements musculaires notamment, et les prélèvements en vue d'une recherche ADN. Une fois l'ADN extrait, donc, il est transmis à ce qu'on appelle le FNAEG, donc le fichier national des empreintes génétiques, où dans ce fichier on rentre toutes les personnes disparues. Le corps est transporté au service de médecine légale de l'hôpital de Garches, dans les Hauts-de-Seine. L'autopsie est effectuée le 15 janvier 2007. La victime est une femme de type caucasien, âgée d'une soixantaine d'années. Une large plaie sur son thorax laisse apparaître de nombreux organes manquants. La section du poignet droit est nette. À gauche, le bras est coupé au niveau du coude. Le médecin légiste évoque pour ces amputations des membres supérieurs une action animale. La tête a été coupée intentionnellement, cœur battant, ou très peu de temps après la mort. Un trou de 8 mm au niveau du sternum est également à signaler parmi les nombreuses plaies que compte la victime. Le médecin ne parvient pas formellement à déterminer les causes du décès. Il serait survenu suite à la décapitation ou à la plaie thoracique. L'identification du corps a été extrêmement rapide.
alors qu'on pouvait s'attendre à l'inverse. Hein. On a quand même une femme qui n'a plus de tête, plus de main, donc ça veut dire plus d'empreintes digitales, ça veut dire plus de visage à comparer à des photographies. Et l'identification a été très rapide. Ça leur a pris 5 jours pour mettre un nom sur cette femme. Le corps livre peu à peu les éléments qui vont permettre de l'identifier. Sa taille, 1m33 sans la tête, une corpulence moyenne avec 44 kilos, une cicatrice récente au niveau de la vésicule biliaire, puis finalement les résultats des prélèvements effectués en salle d'autopsie. L'ADN du corps correspond à celui d'une personne disparue. Le cadavre décapité porte désormais un nom. Celui de Nicole. Et puis elle va commencer à faire marche arrière. J'ai pas envie de te voir, j'ai envie qu'on arrête notre relation, voilà, stop. Je veux plus que tu sois le président de mon association. Et je veux plus que tu viennes chez moi, etc., etc. On renvoie en miroir à l'autre la notion qu'il n'est pas tout puissant. Voilà. Et ça, c'est insupportable pour Monsieur Ximénez. C'est insupportable pour des structures paranoïques. Vous savez, M. Ximénez, il voit des amants partout. Donc chaque homme est un amant potentiel de Nicole Saada. Donc voilà, c'est ça, sa personnalité. Et puis il est intimement, je pense, au fond de lui, persuadé qu'il sait mieux que les autres tout faire. Pourtant, son alibi n'est pas convaincant. Son parcours le jour de la disparition de Nicole Saada, mis en évidence par les enquêteurs, se dessine tout autour de l'Île-de-France dans différents endroits qu'il connaît bien. De Daumont, où réside Nicole Saada, à Athis-Mons chez lui, puis finalement dans la forêt de Rambouillet vers Clairefontaine, où il a vécu étant jeune. Christian Ximénez nie et tente de répondre point par point aux questions soulevées par les gendarmes. Quand le corps est découvert sur la scène du crime le 12 janvier 2007, Christian Ximénez est déjà incarcéré depuis presque 2 mois. Mais cela ne modifie pas sa version des faits pour autant. À l'ouverture de son procès le 16 juin 2008, la famille de la victime espère apprendre toute la vérité sur les conditions du décès de Nicole pour pouvoir faire son deuil. Mais non, Christian Ximénez ne dira rien. Condamné à perpétuité, il n'en reste pas là et clame à nouveau son innocence à Versailles où un nouveau procès en appel s'est ouvert le 29 juin 2009. Mêmes acteurs, même scénario. L'accusé nie les faits de A à Z. L'ambiance était très pesante. La famille, quand on discutait avec elle, disait qu'elle en pouvait plus, que ça faisait trop longtemps que ça durait. On a vu très régulièrement la famille s'adresser directement à Christian Ximénez lorsqu'il était interrogé par la cour. Chose qu'habituellement on ne voit pas dans un procès aux assises. Hein. Pour moi, dans ce dossier, il y avait quand même de quoi se battre. Alors bon, avec la version édulcorée de Christian, c'était un peu compliqué, mais on a quand même voulu montrer qu'il y avait peut-être un doute sur sa culpabilité, parce qu'on a fait de lui véritablement le coupable idéal. Oui, il y avait quand même quelque chose qui était patent dans ce dossier, c'est qu'on n'a pratiquement pas trouvé de traces de sang. Et quand je dis pratiquement pas, c'est juste une petite goutte, pas plus grosse qu'une graine de café. Surtout à quel endroit? Derrière, sur le jean de Christian, au niveau de l'ourlet gauche. La situation devient vite infernale. Et en fait, il va la traquer. Il va faire le tour de France en 15 jours et il la suit partout. Parce que Christian Ximénez, c'est quelqu'un qu'on ne quitte pas. Depuis le 23 août 2006, Nicole Saada est à nouveau célibataire. Pour Christian Ximénez, c'est insupportable. Dès lors, il ne peut plus s'empêcher de guetter son ex-compagne et de la suivre partout. Il ne vit plus que dans l'espoir de l'apercevoir. Sa hantise, qu'elle se console dans les bras d'un autre. C'est cette attitude excessive depuis la fin de leur relation qui apparaît tout de suite aux gendarmes comme suspecte. 8 jours après la disparition de Nicole Saada, le 18 novembre 2006, les enquêteurs décident de l'entendre en tant que témoin sur les circonstances de la disparition. On se dirige vers lui, puisqu'on sait qu'il était en froid, qu'il y avait un gros problème relationnel dans le couple. Lui, il faisait peur, là. À la fin, donc avant le mois d'août, on va dire les 5 derniers mois,
C'était épouvantable aussi, je pense, pour elle, de pouvoir subir à chaque fois. Donc, il était très agressif envers elle, verbalement parlant, et aussi physiquement, parce que elle se faisait aussi tabasser de temps en temps. Donc, on décide le samedi 18 d'entendre Monsieur Ximénez. Il a reçu une convocation, il s'y déplace spontanément. Et quand il vient au commissariat, il vient avec sa sacoche habituelle. Bon, on a 15 ans, on a tout, une sacoche. Et sauf que dans cette sacoche, il y a quoi? Il y a des choses qui sont contre lui. On découvrira contre lui par la suite. Mais il vient avec un couteau. Il vient avec les clés du domicile de la victime. Ces clés permettent d'ouvrir le portail qui donne accès à la propriété de la victime, la clé de la boîte aux lettres et également la clé qui permet d'ouvrir le garage dans lequel on a retrouvé les traces de sang de la victime. Pour lui, c'est sa façon de dire à la police, attendez, j'ai rien à cacher. Moi, Madame Saada et moi, on était liés jusqu'à la mort. Donc j'ai ses clés de portail, j'ai un couteau. Alors je ne sais pas ce qu'il a dit, pourquoi il avait un couteau, mais il a des explications à tout. Le 18, peu avant midi, on apprend que le véhicule de la victime a été retrouvé incendié à Tismons, ville où habite également Monsieur Ximénez. Cette voiture brûlée, ça m'a donné tout de suite un déclic en disant elle est morte. C'est de l'essence sans plomb 98. C'est la preuve qu'il conduisait le véhicule de Nicole Saada le soir de sa disparition et non le sien, étant donné que son véhicule fonctionne au gasoil. Cette piste permet aux gendarmes d'obtenir une preuve en image de son implication dans la disparition de son ex-compagne. Sur la vidéo de la caméra de surveillance de la station-service, les enquêteurs le découvrent mettant de l'essence dans le véhicule, puis dans un bidon. 15 litres en tout. Christian Ximénez doit maintenant donner des explications, alors qu'il affirmait jusqu'à présent ne rien savoir sur cette affaire. Les preuves s'accumulent contre Christian Ximénez, dont une essentielle. Des traces de sang découvertes sur son jean. L'analyse révèle que ce sang est celui de Nicole Saada. Il est donc mis en examen pour enlèvement et séquestration et écroué à la maison d'arrêt du Val d'Oise le 20 novembre 2006, date du mandat de dépôt. Mais les gendarmes ne savent toujours pas où est Nicole Saada. Ils ignorent si elle est morte ou vivante. Les enquêteurs ont cependant l'intime conviction que Christian Ximénez a la clé de cette énigme. Mais il ne dit rien. J'ai l'impression qu'il a tout calculé pour s'approprier d'abord de l'association, de la danse, tout, pour arriver à s'approprier de Nicole et de ses biens, et de se dénier. Donc c'était une escalade dont seulement lui savait comment allait se passer, et le jour que Nicole a dit « basta, là j'en peux plus », ben pour lui c'était plus possible. Ça faisait 2 ans qu'il venait, ou 3 ans qu'il venait en train de faire son plan. Et à la fin, arrivé, Nicole lui dit non-stop, donc bien évidemment que lui il n'a pas accepté, pas digéré. D'où il a décidé de tuer, pas par amour, mais par amour propre. Donc Christian Ximénez qui nie tout en bloc depuis le début, il faut qu'il trouve des parades pour s'en sortir. Et la parade qu'il va trouver, c'est de dire, bah oui, j'étais bien présent ce soir-là. Oui, il y avait Nicole Saada, mais on m'a demandé, des hommes en noir m'ont demandé, m'ont pris en otage et m'ont demandé d'emmener Nicole Saada, enfin... Il invente un espèce de scénario, qui est assez répandu chez les gens qui nient souvent un peu les évidences, c'est-à-dire c'est un peu les hommes en noir, c'est-à-dire des mystérieux hommes dont on ne sait pas trop pourquoi ils voudraient enlever Nicole Saada ni pourquoi ils voudraient la tuer, parce que pour le coup ils n'ont aucun rapport avec elle, que lui en a eu quand même pendant un certain temps. Allégation fantasque, et pourtant Christian Ximénez croit avoir un solide alibi avec sa prise d'otage. Pour lui, le déroulé de ce 10 novembre 2006 est très précis. Ce fameux 10 novembre 2006, eh bien pour lui, il était dans l'après-midi, il est parti dans l'espoir de voir Nicole Saada. Donc il va déjeuner, il raconte qu'il fait une petite sieste dans sa voiture, il raconte qu'il se réveille en fin de journée, qu'il n'a pas vu Nicole, et qu'en repartant du centre commercial, au moment où il rentre
qui montrait que c'était une dame qui aimait bien vivre, qui profitait de sa passion. Et quand elle rigolait, tout le monde suivait derrière et c'est vrai qu'on finissait tous pour en rigoler ensemble. Mais toujours très expressive. Elle est extrêmement dynamique, extrêmement attentive à son apparence, très féminine, toujours omnubilée par son poids, par sa forme, passionnée par son rôle de maman, son rôle de grand-mère également, très famille, extrêmement famille, deux passions, quoi, la famille et la danse. On se rend également à son domicile à Daumont. Alors elle habite, c'est un petit peu particulier, elle habite dans un grand pavillon, mais elle occupe juste le rez-de-chaussée de ce pavillon. C'est un pavillon qui est séparé en appartements. Donc on va voir chez elle un petit peu, essayer de voir ses voisins. On en voit quelques-uns, ils décrivent tous une femme très discrète, qui effectivement donne des cours de danse. Elle a même aménagé un box qui est dans la cour du pavillon pour le transformer en petite salle de répétition. Donc on obtient des détails comme cela, mais pas beaucoup plus. Elle ne nous est pas signalée comme étant quelqu'un de dépressive, c'est même au contraire, j'allais dire, une bonne vivante. Donc a priori, quelqu'un envers qui on, enfin, à qui on ne peut pas faire de mal, quoi. Bon, ça, elle nous est présentée comme quelqu'un de bien, en fait. Sa vie plutôt rangée ne laisse rien présager de ce que l'on va découvrir sur la scène du crime. Seule ombre au tableau, une histoire d'amour avec un homme qui vient de s'achever 3 mois plus tôt. Les gendarmes tentent donc d'en savoir davantage sur cette relation. Et rapidement, les langues se délient. Cet homme s'appelle Christian Ximénez. C'est un homme divorcé de 72 ans. Il est entré dans sa vie en 2004 et beaucoup de choses ont changé depuis son arrivée. Ils avaient une passion commune qui était la danse, hein, puisqu'ils se sont rencontrés effectivement lors d'une manifestation de danse. C'était plutôt un bon danseur. Nicole Saada était une très bonne danseuse, donc c'est sûr que ça les a rapprochés. Donc Nicole Saada, 60 ans, on peut dire a priori qu'elle avait envie de rencontrer quelqu'un, parce que sinon elle n'aurait pas été perceptive au déploiement de séduction de Monsieur Ximénez. Donc probablement que, après tout, pourquoi pas rencontrer quelqu'un à 60 ans. Bon, et puis elle croise ce monsieur, et en tout cas elle est à un moment de sa vie où elle a envie d'y croire, elle a besoin d'y croire. Je pense qu'il y avait un tout, et elle cherchait cette personne, donc une personne disponible, mais complètement disponible dans tous les sens. À quelques mètres de la départementale 27, le corps repose sur le dos, le long d'un tronc d'arbre. On retrouve à sa droite un soutien-gorge, au-dessus un peignoir et une perruque. Un peu plus loin, une combinaison de soirée noire. Le médecin de l'UMJ qui vient sur place faire les constatations médico-légales a constaté que la tête a été découpée. Première idée qui nous passe par l'esprit, c'est que si on a supprimé la tête, c'est pour qu'on ne puisse pas l'identifier. L'auteur du crime a de toute évidence tenté de ralentir le travail d'identification de la gendarmerie. Sa victime n'est plus reconnaissable. Et pour les équipes présentes sur place, la scène du crime est particulièrement difficile à étudier tant le corps est mutilé. Alors l'ambiance était vraiment toute particulière sur place. En effet, les gendarmes, pour certains, étaient assez pâles, voire livides. A priori, la découverte qu'ils venaient de faire en forêt les a retournés, en fait. On sentait qu'on n'avait pas affaire à quelque chose d'habituel. On sentait que c'était un dossier important qui venait de s'ouvrir. Que ce corps n'était pas le corps d'un simple promeneur égaré et que la découverte était, je dirais, stupéfiante. Le corps a été retrouvé en forêt. On ne peut pas dire s'il a été tué sur place. On ne sait pas, peut-être. Marilyn Baranès est psychologue et expert judiciaire. Elle n'a pas travaillé sur cette affaire, mais est une habituée de ce type de dossier criminel.
Être face à une scène de crime où on a un corps décapité, nu, et dans la forêt, à la fois on peut rien en dire et à la fois on commence à élaborer des tas d'hypothèses. D'apparence et d'après ce que nous dit le médecin sur place, la datation remonte à plusieurs semaines, hein, peut-être 6, 7, 8. Mais c'est très aléatoire, hein, puisque les conditions de température peuvent interviennent et modifient cette date. Donc la méthode actuelle la plus sûre, c'est l'entomologie, donc c'est l'étude des larves et des insectes. On sentait qu'ils avaient besoin de travailler sur la scène, recueillir le maximum d'indices, le maximum de preuves, d'informations. Ils faisaient des allers-retours avec des grands sacs en craft marron. Signe en fait d'un épanchement sanguin. Peut-être va-t-on obtenir de l'ADN. L'ADN a quand même trois ennemis qui sont l'humidité, l'air et la chaleur. Donc en milieu extérieur, ces trois éléments, on a de grandes chances de les retrouver. Donc l'ADN va être très fragilisé pour une scène de crime en forêt. Les gendarmes de la section de recherche de Versailles commencent leur travail de fourmi. De multiples constatations et prélèvements sont effectués sur la scène du crime, puis sur le cadavre lui-même. De la terre, différents indices et vêtements disséminés autour du corps, des larves et insectes nécrophages en vue de dater le délai post-mortem. À première vue, le légiste estime que le décès remonte à plusieurs semaines. Ce jour-là, donc, c'était le 12 janvier 2007, hein, donc peu avant midi, une personne qui passait à proximité s'est avancée légèrement dans le bois et puis elle a trouvé ce corps qui était à peu près une quinzaine, vingtaine de mètres du bord de la route, hein, tout simplement légèrement caché le long d'un tronc d'arbre avec des fougères cassées qui recouvraient le corps. Michel Bonafont, technicien opérationnel à l'Office national des forêts, connaît bien les lieux du crime. Donc les caractéristiques du site, hein, sont, je vous dis, des zones de fougères. Bon, là, l'hiver, il n'y en avait pas. Une mare, alors, près de la route, avec quand même une grosse densité de taillis de saules, hein, de saules qui poussent dans la mare. Hein, donc ça faisait quand même un écran. Mais ici, c'est des zones où on ne fait rien. Hein. C'était vraiment l'endroit idéal, je dirais, pour cacher quelque chose. Hein. Vous aviez une place de stationnement. Le corps n'était pas à vue parce qu'il l'a glissé le long de la mare. Hein. Donc il n'était pas au vu des gens. Que si le corps était à côté de bois mort et tout, il a pu être ne pas être vu. Le témoin découvre le corps, hein, donc il a fait appel à la gendarmerie, hein, donc tout simplement en composant le 17, hein, donc il est raccordé au ce qu'on appelle le centre opérationnel de gendarmerie, qui tout de suite a envoyé une première unité sur place qui a procédé au gel des lieux, hein, en attendant notre arrivée et l'arrivée également des techniciens d'investigation criminelle qui ont pris en charge les constatations sur la scène de crime, donc sur le corps. Il y avait des véhicules de gendarmerie un petit peu partout garés le long de la route. Il y avait des gendarmes qui faisaient la circulation, des pompiers, tous les gyrophares, alors qu'on pouvait s'attendre à l'inverse. Hein. On a quand même une femme qui n'a plus de tête, plus de main, donc ça veut dire plus d'empreintes digitales, ça veut dire plus de visage à comparer à des photographies. Et l'identification a été très rapide. Ça leur a pris 5 jours pour mettre un nom sur cette femme. Le corps livre peu à peu les éléments qui vont permettre de l'identifier. Sa taille, 1m33 sans la tête, une corpulence moyenne avec 44 kg, une cicatrice récente au niveau de la vésicule biliaire, puis finalement les résultats des prélèvements effectués en salle d'autopsie. L'ADN du corps correspond à celui d'une personne disparue. Le cadavre décapité porte désormais un nom, celui de Nicole Saada. Les gendarmes ont vraiment bien travaillé avec leurs homologues parce qu'ils ont tout de suite pensé à elle.
pensais à elle qui était portée disparue depuis plusieurs mois. Ça a été immédiat et finalement leur instinct, je pense, a beaucoup joué dans la rapidité de l'identification. On diffuse sa photo, son signalement, les circonstances, les derniers moments où les gens l'ont vu, et puis effectivement on perd sa trace à partir du 10 novembre grosso modo. Quand on découvre le corps de Nicole Saada, cela fait donc 2 mois qu'elle a disparu. Personne ne l'a vue vivante depuis le 10 novembre 2006. Ce jour-là, elle avait prévu de retrouver des amis et élèves pour se rendre à une manifestation de danse. Ils avaient rendez-vous chez une amie, ils l'ont attendue, ils l'ont appelée à plusieurs reprises parce que c'était pas dans son habitude de ne pas venir, ou en tous les cas de ne pas prévenir si elle avait un empêchement. Ils ont appelé à plusieurs reprises et sur son fixe et sur son portable sans succès. À force, eh bien, effectivement, la messagerie est devenue saturée. Parallèlement à ça, sa fille, qui avait l'habitude de l'appeler tous les jours, essayait également de la joindre sans succès. Plus le temps passait, plus j'étais dans une voie tragique, on va dire. Le lundi, les cours, c'était à 19h. Je n'ai pas voulu arriver à 19h. J'avais peur de ne pas la voir. Et j'ai un peu traîné, je suis venue un petit peu plus tard. Et avec cette appréhension de constater, parce que moi, déjà, j'avais mes idées en tête, mais là, c'était le constat de la disparition. C'est pas le profil de quelqu'un qui part faire une fugue. Qui part à l'aventure comme ça, à 62 ans, elle a une vie à peu près rangée. Donc assez vite, on part quand même sur ce que les gendarmes